Solius Kvernelis est né le 23 juillet 1970 à Kaunas. Il a 48 ans. Il accomplit ses études secondaires à Marijampolė dans le sud de la Lituanie et les achève en 1988. Il s'inscrit à l'université technique Gediminas de Vilnius où il étudie le génie mécanique. Diplômé en 1994, il est enseignant à l'académie de police au milieu des années 90. Il rejoint les forces de l'ordre et occupe plusieurs responsabilités. En 1998, il devient commissaire de l'unité de police routière de la municipalité du district de Trakai. En 1999, il devient commissaire de la division d'organisation du service de la police routière à la direction centrale de la police lituanienne. Il poursuit son ascension professionnelle en 2001 avec sa désignation en fonction du chef de service de supervision routière de la police. Il est promu chef du service de protection des hautes personnalités en 2003, puis commissaire des patrouilles de la route 2 ans plus tard. Cette même année 2005, il obtient une maîtrise en droit à l'université Mykolas Romeris. En 2008, il devient directeur général adjoint de la police lituanienne. Il abandonne cette responsabilité 3 ans plus tard pour exercer celle de directeur général de la police. Il est marié et père de 2 enfants. Il tire son idéologie de l'Union lituanienne agraire et des Verts, parti de centre-droit fondé en 1922. Ce parti écologique conservateur défend l'agrarisme. Au niveau international, il est affilié au groupe des Verts Alliance Libre Européenne.